Alors, 14h30, tout à l'heure j'ai entendu Gilles, et de mon côté, j'étais pas prêt. Quelques trucs à régler, côté ordinateur. Quand il y en a un qui fait un infractus, bah, c'est très con. 73-51 tous, 14 km 33-01, Rémi, Dandy 33. Attention Gilles, 9 bravo Charlie, 5-5-5 pour 14 km 33-01 Rémi, qui lance appel. Ouh, ça passe. Ah, il est parti faire autre chose. Attention, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 33-01 Rémi qui t'appelle. Break. Wow. Break pour 14 km 33-01. T'es encore ce club perturbateur. Et non, on n'ira pas chez vous, ça c'est clair. Break 14 km 33-01. Tout ça retourné. J'arrive à t'entendre, quand tu passes par-dessus, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai encore la
Les 73-51 à tous, 14 km 33-01 Rémi, ainsi que l'OM de la Bretagne que j'ai entendu là sur le web SDR de Ottawa. Alors j'ai entendu qu'André avait des problèmes d'ordinateur. Ah, c'est marrant ça. Enfin, pas dans le sens où c'est marrant, mais dans le sens où ben, moi aussi. Mon premier PC qui est lui sous Linux, il vient de... Alors attends, j'ai un retour là dans le haut-parleur secondaire. Ça, c'est pas top ça. Ouais, ça crachote là aujourd'hui. Alors attends, je vais être obligé de l'éteindre. Voilà, de fonctionner. Voilà, off. De fonctionner que sur l'écoute QR. Ouais, je disais donc, moi sur mon ordinateur principal qui est lui sous Linux, visiblement c'est la carte mère qui a claqué quoi. Et pour qui, pourquoi, d'un seul coup, elle s'est éteinte et puis terminée, quoi. Alors, d'après ce qu'on m'a expliqué, le prix tourne autour des 500-600 € par là. Alors là, même pas en rêve. Du coup, là, je récupère tous mes fichiers qu'il y a dedans et je les bascule sur l'autre PC avec lequel je travaille les vidéos. Et puis, bon, ben, reconfiguration et tout ce qui s'ensuit pour Internet dessus, quoi. La station est pas top aujourd'hui. Je l'entends via le web SDR de Ottawa, c'est tout. Hein. Putain, mais c'est pas top là aujourd'hui la station. Comme l'autre jour. Ah ben, si t'as eu quelqu'un, t'as de la chance, parce que moi, de mon côté, je n'ai rien entendu nulle part. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ouais, d'accord, il y en a un qui s'est mis soit... Ouais, je suis là. Ah, j'ai pas mal de perturbations QRA, que ce soit côté informatique, côté station. Ça fait un peu le con là aujourd'hui là au QRA. Ouais, ok, QSL. Oh là 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 là. Alors j'écarte le PC pour voir si ce serait pas ça. Oui.
Être con, ça les amuse, hein, ça leur plaît. Hein. Ah, j'ai perdu. La propague a pas mal baissé de mon côté là. Mais bon, ça va, j'arrive encore à te sortir. Là, ça fait le yo-yo, c'est comme la température. Oh, yé, yé, yé. Ouais, la propague est vraiment bizarre là aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Eh ben là, toi, là, je suis en train de te perdre. Hein. Ah, je t'ai quasiment perdu là, je te devine derrière dans le lointain, mais c'est tout, là je t'ai quasiment perdu. Et moi je radote. Ça bug de tous les côtés. Là. L'informatique. La station, je sais pas ce que ça fait aujourd'hui.
Moi qui déconne. Alors pour la petite anecdote côté informatique, comme je disais tout à l'heure, mon PC principal dont je vais sur internet avec, donc sous Linux, mieux sécurisé, mieux. Bah, hier soir, je l'avais sur le canapé et tout, ça, tac, devant moi, puis paf, coupure net, éteint. Impossible de redémarrer, rien, quoi que ce soit. Donc c'est pas le disque dur, c'est pas non plus la mémoire, parce que sinon ça redémarrerait quand même. Ça m'afficherait, là au niveau de l'affichage du BIOS, c'est un message d'erreur, patin couffin, quoi. Là c'est carrément la carte mère qui a claqué. Infractus. Je suis allé voir un gars ce matin, je suis allé voir un pro ce matin, et sur les portables, tout est sur la carte mère de toute façon. Eh bien, adieu le PC. La perte d'un PC donne des performances supplémentaires à un autre. Voilà comment faut voir ça. Parce que pour le coup, j'ai récupéré. Bon, le disque dur, je l'ai récupéré. Je l'ai mis dans la boîte externe. Bon, on va récupérer mes fichiers dessus. Et la barrette de mémoire qui était dedans. Alors. Mon second PC, qui était comme le précédent, avait une barrette de mémoire de 8 Go. Là, pour le coup, je suis passé à 16 Go. Ça va le faire. Le désavantage des uns fait l'avantage des autres. On va dire ça comme ça. Maintenant, il faut tout reconfigurer parce que il n'avait pas grand-chose au niveau Internet, lui. Ah, mais il n'avait rien du tout au niveau Internet. Non. Bon, ça sera tout à petit. Oui, affirmatif, je suis là, les bottes sont 1351 et je t'entends via le web SDR, HI 3 coups. Yeah.
L'ouest nord. Gilles, tu sais plus où t'habites? T'es plus à Laval. T'es plein ouest. Ouais, quand on regarde sur une carte, on voit que Pointe Calumet, Parc de Oka, c'est plein ouest, voire un petit peu vers le bas. Alors ouest, nord, ouest, sud-ouest. Ça y va. Thank you.
11 degrés sur le sud-ouest de France. Je suis en train de lui magouiller un truc en vidéo. Vive le groupe des Tannants, vive le Québec! Tape-moi 5. Ah bah ben là on se corrait d'un sous-marin là pour le coup, d'un aquarium. Ah ouais, j'ai des glougloussements, j'ai des QRM, j'ai de tout. Même au niveau de la station, c'est pas très QRO aujourd'hui. Parce que là pour le coup, le haut-parleur que j'ai là en second là pour écouter le web SDR, je passe un grésillement dedans, c'est dégueulasse. Ok QSL, au fait, là, est-ce que tu m'entends bien là? Bon d'accord. Alors, je te demandais si là ça passait bien, tu m'entendais bien de ton côté, parce que j'aurais été sur l'occasion pour faire un truc là au niveau de l'ordinateur, au niveau de. Attention, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 3301. Ah oui. Attention, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi qui lance appel. Ah si, ça passe dedans. Bon. Aujourd'hui, ça, c'est pas envie. Attention Gilles, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi qui t'appelle. Re
Ok, alors attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? D'accord, ok. Attends, que je me prépare sur autre chose en même temps. Bon, là, dans quelques minutes, la vidéo va être prête. Ça, c'est histoire d'occuper la fréquence. Ok. Bon, là, est-ce que tu... Attends, voilà. Est-ce que tu m'entends bien là? Ok, donc si je te dis attrape ton téléphone portable, garde-le sous la main parce que tu risques d'avoir une notification de Google pour te dire que oui, c'est bien toi qui est en train de te connecter. Est-ce que là, tu as compris ce que j'ai dit ou tant pis, j'attends plus tard? Ok, oui, ton téléphone portable, celui-là dont je connais le numéro. Sur les deux téléphones, il n'y en a qu'un seul où je connais le numéro, où je t'ai déjà appelé dessus. Celui qui est enregistré sur YouTube. Voilà, celui-là. Attrape-le. Parce que là, vu que là je suis plus sur le même ordinateur, forcément YouTube va pas me reconnaître quand je vais me connecter. Donc c'est pour que toi, de ton côté, tu valides, tu dises oui, que c'est bien toi qui es en train de te connecter. Est-ce que tu as eu QSL? Alors, je lance la connexion. Tu vas avoir normalement, il y a des chances que tu aies un message. Ah ben, je suis connecté. Ah ben, c'est super, ça. T'as pas eu d'alerte de connexion, rien de ton côté? Si c'est pas le cas, alors là, je suis le premier surpris. Ben, c'est super, alors. Et regarde, au niveau mémoire, Fabien, je n'utilise pas grand-chose, hein. J'ai le logiciel vidéo qui travaille, j'ai le navigateur, je suis en plein le logiciel vidéo, j'ai lancé. Ah ben, je garde le micro allumé en plus. Allez, dans 8 minutes, c'est bon, je pourrais mettre ta vidéo en ligne. Je me suis un petit peu amusé dessus sur toute la longueur de la vidéo. Oui, pour te dire, normalement, là, cet ordinateur-là, tout comme l'autre, dessus, il n'y a que 8 gigas de mémoire RAM, de mémoire vive, si tu vois de quoi je parle. Et vu que l'autre, eh ben, la carte mère, la carte principale dedans est morte, eh ben, j'ai récupéré la barrette de mémoire qu'il y a dedans pour l'ajouter dans celui-ci. Et là, pour le coup, ça me fait un PC portable avec double mémoire, autrement dit 16 gigas de mémoire RAM. Autant dire qu'il n'est pas prêt de manquer de souffle de ce côté-là. Tu vois, la perte d'un ordinateur a permis de favoriser l'autre. Hachi! Ah ben oui, parce que là, pour le coup, ben, je restais connecté là sur dessus, là, pas de problème. C'est d'accord, ok. Ah ouais, tiens, c'est ça que je voulais voir, parce que là, il y a un truc ici qui me surprend. Au niveau de navigateur, je ne suis pas sur Chrome. D'ailleurs, tiens, il faudra que je regarde si je l'ai dans cet ordinateur-là. Je suis sur un autre navigateur qui s'appelle Firefox ou Firefox, ça dépend comment on le prononce. Le truc qui m'étonne, alors je suis en train de chercher où c'est fourré là-dessus. Paramètres, alors c'est identifié, enregistré. Ah ben d'accord, je crois que j'ai en récupérant les favoris du navigateur sur l'autre, là, qui était sous Linux, apparemment, les identifiants, tout ça, ont suivi sur celui-ci. Ah ben ça, c'est bon, ça. Comme ça, j'aurais pas à m'embêter avec ça. Bon, ben c'est nickel. Ok. Alors, bon, tu verras, comme je disais tout à l'heure, je me suis un petit peu amusé, là, dans la vidéo. Ouais, bon, allez, encore 6 petites minutes, hein, et ça va le faire, je pourrais mettre ça en ligne.
Je pense que tu devrais aimer ce que je me suis amusé à faire. Là, sur tout du long de la vidéo. Hachi! Alors, tu l'as coupé la vidéo? C'est parce que là j'ai écouté. Tu l'as déjà coupé toi la vidéo? Eh bien, parce que là, la vidéo a fait 30 minutes quelque chose. Le deuxième morceau de vidéo, il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus... Ouais, voilà, le deuxième morceau de vidéo, il doit faire... allez, s'il fait 11 minutes, c'est tout ce qu'il fait, là, le dernier bout de vidéo. Donc, et quand j'ai écouté dedans, j'ai entendu que de la radio. Alors, bon, dès qu'il aura fini, je vais regarder sur le bout du premier morceau de vidéo, voir ce qu'il y a. Et puis, bon, s'il n'y a rien non plus, si c'est que de la radio aussi, ben, c'est que tu auras coupé. Parce que là, c'est de votre discussion entre vous, je n'ai rien trouvé dedans, hein. J'ai peut-être mal écouté, je recontrôle, il n'y a pas de problème. Dès que là, ça a fini le travail, je recontrôle. J'entends pas l'autre station derrière. Bon, ça c'est dégueulasse. Aujourd'hui c'est pas la peine et j'insiste en plus. Ouais, affirmatif, je suis toujours là. Du côté du web SDR, là, aujourd'hui, là, ça veut pas. Hein. Ou plutôt, si, j'entends, mais j'entends trop de trucs. J'entends du QRM et j'entends un parasite qui vient de chez moi, qui passe dedans. Aujourd'hui, la station, tu vois, là, elle a aussi envie de m'embêter, quoi. Comme le dernier coup, quand l'alimentation s'est mise à faire warning, alors que le lendemain, ben, tout fonctionnait très bien. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Là, tu peux te dire que c'est des parasites, ceux-là. Ah, ça, oui. Et c'est sûr qu'on risque pas de leur faire de la pub, loin de là. Et on risque pas d'aller chez eux non plus. Hein. Ouais, ça fait le yo-yo, là, ici. Ah ben c'est que parce que... Ah d'accord, c'est parce que tu parlais anglais que je croyais que ça faisait le yo-yo ici. Oui, j'y comprenais que dalle, alors je me suis dit, hein. Ah ouais. Bon, alors, ça que je coupe le son. Tac, voilà. Bon, alors, je contrôle la vidéo. Et puis je l'envoie là sur YouTube.
Ouais, c'est sur la fin, hein, c'est bien ça, hein, Gilles. Hein. C'est pas pendant, c'est uniquement sur la fin, hein, c'est ça. Alors, je t'entends vaguement parler, mais tu as Christian, le petit renard, qui te passe par-dessus. Mais c'est sur la première vidéo. C'est c'est quel numéro celle-là? La 230129. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Non, c'est la 103212. La 103212. C'est sur la fin de celle-là où on t'entend parler, mais voilà, comme je dis à l'instant, t'es surmodulé par le petit renard. Ouais, alors effectivement, c'est sur le bout de la 103212 où là on t'entend parler derrière, mais on comprend rien du tout, hein, parce que tu as le petit renard qui parle par-dessus. Donc ça vaut même pas le coup de le couper, ça. Je vais au bout de l'autre morceau, là, de la 113307 pour voir. Au fait, de ton côté, tu peux tout supprimer, hein, c'est bon. Sauf ce que tu as fait aujourd'hui, hachis trois coups. Ouais, bah c'est nickel ça. Et bah c'était rapide. Voilà, c'est en train de partir là sur ta chaîne. Voilà, c'est parti, c'est déjà parti. C'est en train d'analyser la vidéo, puis après je pourrais la finaliser. Et la partager. C'est marrant comment j'ai l'impression de parler tout seul là sur le coup. Hein. 17h40, oh je crois que là c'est retombé là pour le coup, ou alors t'as trop de surmodulation de ton côté. Bon, ok, ben je passe en QRT, je m'occupais là de tout ça là de mon côté. Les 73-51 et à demain si la propague le veut bien.